Regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Pur et Charlie avec un pote à lui, John. Salut les gars. On a quelques petits travaux à faire avant de pouvoir décoller sur les Samblas. Bon ok, je vais pas vous mentir, on est déjà au Samblas. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant de partir. Mais voilà, on a fait quelques jours. 2-3 jours de bricolage que je vais vous montrer tout de suite après. Un petit peu de matelotage à faire sur le bateau et Charlie vient de m'apprendre comment faire une manie textile. Donc voilà, c'est une manie que tu peux régler du coup et c'est uniquement fait avec du Dyneema, donc un bout qui est extrêmement résistant. Et l'idée, pourquoi on fait ça, c'est pour le mettre après ici. Et l'intérêt de ça, c'est que tu peux l'enlever et déplacer du coup ce point. Ça, c'est ce qu'on appelle un œil épicé, donc ça permet de faire une boucle sur un bout et de pas avoir de neuf. Donc, c'est assez joli parce que du coup t'as le bout qui s'affine de plus en plus. Voilou. Je continue mon apprentissage et Charlie m'a expliqué comment changer l'huile du moteur. Voilà, comment changer les filtres d'huile aussi. C'est cool. Donc là, Charlie est responsable crocodile. Parce qu'il y a pas mal de crocodiles dans la marina, c'est vrai. Hein. Et il y a John, un pote à lui, qui est en train de changer son hélice sous l'eau. Donc on est quand même là pour jeter un petit coup d'œil, être sûr qu'il n'y ait pas de crocodile. Je suis à 300-400 mètres, je dirais, du port. Et en fait, il y a des anciens bunkers militaires au beau milieu de la jungle. Il y a un nombre d'animaux autour, assez impressionnant. Il y a des singes de partout, il y a des oiseaux, il y a des ratons laveurs, des tapirs, enfin c'est... Et le lieu est assez... assez étrange. Alors je sais pas si vous les voyez bien, mais là je suis entouré de singes hurleurs. Ça fait un son impressionnant. Et Samblas, en fait, c'est vraiment une multitude de petites îles. Il y a vraiment des îles de partout, minuscules, où il n'y a absolument personne dessus. Et ouais, tu peux vraiment te retrouver solo sur des petits îlets désertiques.
Et là-bas au loin, bah, c'est le Panama du coup, donc c'est pas forcément très très loin de la côte. Bon ben voilà, hein, on va pas cacher des petites langoustes pour ce soir. Et on est pas mal. Bon, faut se mettre bien quand même, hein. On va se faire un petit cocktail à base de maracuja, de sucre de canne et de rhum blanc. On arrive sur notre nouveau mouillage pour passer quelques jours ici. Ce qui est vraiment hallucinant ici, c'est le fait qu'il y ait très très peu de monde. C'est vraiment pas touristique. Là par exemple, on est vraiment sur un spot magnifique. Il n'y a que trois bateaux au mouillage. Et en fait, les Kuna, donc c'est la population locale d'ici. Ils sont assez stricts, c'est un peu des Corses x5 et quasiment tout est interdit. Il n'y a aucun hôtel, aucun resort, il n'y a pas forcément de restaurants. Ils ont eux des tout petits restaurants, des petits bouibouis où tu peux manger du poisson et tout. Les bateaux moteurs sont interdits de faire de la plongée sous-marine avec des bouteilles, interdits de faire du jet ski. Donc ça réduit vachement les possibilités du coup, et bah, mis à part venir avec un voilier ou payer des petites barques, des petits bateaux de pêcheurs locaux pour revenir ici, c'est pas forcément évident, sachant qu'il n'y a pas de quoi se loger. Bah du coup ça, c'est un peu le paradis pour les voiliers quoi. Donc voilà ma chambre pour ce soir. Je me suis fait ramener par un pêcheur depuis les San Blas, depuis les îles. Et en gros, il me dit, ouais, c'est bon, viens chez moi, tu dors à la maison, ma femme, elle te fait à manger. Et demain, je t'amène pour prendre le bus. Donc voilà, une belle petite chambre avec vue sur la mer. Et là, en fait, je suis dans un petit village de pêcheurs. Voilà.